Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard? Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? Bien, tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Oui, mon enfant? Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même! Oh, je me demande bien depuis quand? Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir! Oui, mon enfant? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez! Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Tu peux la fabriquer. Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là! Allez, au boulot! Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température! Chaudement? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Trempé trois fois dans l'huile de Drogheur. Oh, tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh! N'oublie pas ça. Arrête de sourire bêtement, ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais, vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche, tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Bravo. Nous n'avons pas que ça à faire. J'ai l'âme de chanter avec ça.
Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. La rune de Tyr, c'est ça. On est entré ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. De passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Il y a quelque chose là-haut. Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Cette tapisserie, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Wow, qui est-ce ? Atreus. C'est bien la rune pour Jotunheim? Oui. Et regarde, on est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses? Recule. D'accord. Il bouge! Qu'est-ce qui bouge? Tout le temps! Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial! Faire quoi? Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aof. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre je ne sais quoi? Tu as dit qu'il y aurait un chemin et le temple peut être retourné. Donc, il va retourner le temple. Ta logique est imparable. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait? Peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie.
encore un de ce côté. Son nom était Bergelmir. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse? Ça arrive, mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. Encore ces pièges mortels. Une armée de statues. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde de paix qu'il imaginait, les seuls soldats dont il aurait besoin seraient des statues. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux, non? Mon frère, pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. Ça va, n'est-ce pas? À toi de jouer, mon frère. Laissez-les en paix. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à nous, ça. Hé, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres.
Ah, c'est l'autre genre de piège. Il faut savoir varier le plaisir. Personnellement, je n'ai jamais... Ouais. En attendant que les dieux soient bons. On peut attendre longtemps. Non. C'est nous qu'ils attendent. Encore un morceau du code. Génial.
Atreus. Oui, père. C'est le moment de retourner le temple. Oui. Pourrait-on arrêter d'employer l'expression « retourner le temple » Ça devient un peu trop normal. Jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous. Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Pousse avec tes jambes, frère. Qui sait ? J'essayais juste de te... sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus ? Là, à gauche ! Je pense qu'on peut monter à l'envers pour rejoindre la salle de passage entre les royaumes. Léosta ! Regarde ! La lumière projette des symboles au sol, mais... quelque chose n'est pas normal. Un passage, tu dis ? Oui, près des statues. Tu vois, Mimir, personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri. Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de Tyr. Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Le garçon a plus que toi. Ça veut dire quoi, ça ? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre.
Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par les piles d'Odum, là, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci. Sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Alors tu penses que la fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Hé, voyez qui fait son grand retour. Vous avez pas dit que ça irait? Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée, de trouver notre propre voie. Et merde. C'est là que Tyr a franchi le pas, et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Aie confiance, Ted. Alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial! Regarde! La tour! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici! Incroyable! Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes? Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça! On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. C'est très... dépouillé. Le piédestal. L'énergie de la pierre. Il se passe quelque chose. Elle bouge. Elle bouge. Elle sait quoi faire. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de Tyr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. Ah, je retire ce que je viens de dire.
Retraite stratégique.
Ils arrivent. Sois prêt. Attention à l'arrière!
mal. La salle de passage de tir peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. On a déjà vu ces runes. Mais je peux toujours pas les lire. Vous aimez bien mettre la pagaille, hein, vous deux? Allez, on se met au travail.
On dirait que ça a marché.